Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à la conférence Ladies in Mobility sur la mobilité durable. Merci donc de participer à cette journée et donc d'apporter votre expérience sur ces problématiques de la mobilité donc, qui nous concernent tous dans notre quotidien. Alors pour ouvrir cette journée, je voudrais déjà refaire un petit focus sur ce qu'est le projet Ladies in Mobility, puisqu'on est tous en relation avec les réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est aussi de présenter un petit peu plus concrètement ce projet pour que vous puissiez bien le comprendre et donc vous l'approprier. Donc, avec ce projet, tout a commencé à Ever Monaco, donc le salon des véhicules écologiques et des énergies renouvelables. Donc, en 2010, où l'IMED donc, a collaboré avec le salon, pour faire ses études avec ses parties prenantes, donc à la fois avec les visiteurs mais aussi les exposants, et essayer de trouver finalement des axes qui allaient pouvoir optimiser les relations avec les parties prenantes. Donc on a reconduit ces études en 2011 et 2012, et en fait a émergé une problématique en termes de lien social pour fédérer autour de la mobilité et des énergies au-delà d'Ever Monaco. Donc ça a donné naissance l'année dernière au projet On the Move from Monaco to the World, qui a pour but de fédérer à l'international les acteurs de la mobilité et des énergies et les leaders d'opinion autour de ces secteurs d'activité. Et donc on avait lancé une première campagne de fédération à laquelle s'étaient associées plusieurs entreprises comme Renault, Sobeyscan, Citymotion, For My Planet, Saint-Charles International, donc là pour le côté des énergies, Solar Euromed, Réseau Efficience Énergie et Michan Qualité. Et donc en septembre dernier, nous avons lancé avec des organisations des Alpes-Maritimes et de Monaco le projet Ladies in Mobility, qui est la déclinaison féminine du projet On the Move from Monaco to the World, et qui a pour but de donner un ancrage territorial à la mobilité, donc pour accompagner les acteurs privés et publics dans leur stratégie de mobilité durable et dans leur plan d'action. Et donc, on arrive en 2013, aujourd'hui, à l'organisation de cette première conférence des Ladies in Mobility. Donc, pour vous rappeler brièvement ce qu'est le contexte du projet Andomo, donc c'est un site internet français-anglais, de manière donc, à pouvoir vraiment partager à l'international l'information de la mobilité des énergies, qui repose sur une campagne de sensibilisation qui va mettre en valeur des acteurs engagés, là encore, dans la mobilité et les énergies. Et donc, cette année, nous avons reçu le soutien donc, de General Motors Opel France, de G2 Mobility, de Blablacar, donc le covoiturage, et donc une aide aussi qui est intervenue pour représenter finalement cette mobilité durable et dire qu'il y a des acteurs qui travaillent au quotidien pour la mettre en place. Donc le contexte fondateur, pour ceux qui étaient au Green Code Forum, je l'avais déjà abordé il y a quelques mois. L'idée, voilà, c'est on est 193 pays selon l'ONU, 7 milliards d'êtres humains, 50% de population dans les villes, des milliards de déplacements journaliers, des questions de mobilité, d'énergie, de sécurité, d'infrastructure, de prospective et d'investissement, donc beaucoup de questions, des changements climatiques et finalement des objectifs, la baisse du CO2 et aussi une indépendance énergétique. Donc on voit à la fois le volet environnemental et le volet économique autour de ce projet. Donc le projet On the Move from Monaco to the World aujourd'hui est suivi dans 94 pays en un an. Donc ça a permis déjà d'aller s'aimer de l'information et de partager aussi ce qui se passait à Monaco et en France, puisqu'on a vraiment focalisé notre action là-dessus la première année. Et donc, ce contexte de projet des Ladies in Mobility, comme je disais, c'est pour donner un axe ancré dans les territoires, puisque quelque part, les femmes sont souvent très impliquées dans la mobilité. Et donc, c'est cet angle féminin, pas féministe, féminin. Pourquoi ? Parce que finalement, les femmes dans les études sont ressortent plus concernées que les hommes face au développement durable. Elles sont aussi par certains moments de la vie, plus sensibles aux problèmes économiques, donc ce qui peut les motiver aussi à mettre en place la mobilité durable. Dans leur vie professionnelle, elles sont souvent nommées pour des questions RSE et développement durable, donc a fortiori mobilité énergie, parce qu'elles fédèrent, parce qu'elles communiquent, donc c'est souvent elles qui portent
dans ces projets. Et elles sont souvent aussi isolées dans la mise en œuvre de ces politiques, puisque c'est un système transversal dans l'organisation. Donc elles portent un projet aussi qui peut sortir de leur champ de compétences initiales, donc toute l'isolation. Elles sont aussi, elles font face à la diversité. Souvent, elles peuvent être plus discriminées dans leur univers professionnel. Et donc, du coup, elles se construisent en réseau pour pouvoir se soutenir et pouvoir entreprendre des projets. Un autre axe aussi de la sensibilisation des femmes, c'est le rôle de mère. Je pense que toutes les mamans dans la salle se sentent concernées par l'exposition de leurs enfants aux pollutions d'air dans les villes. Et aussi à cette nécessité d'éducation et de transmission des valeurs de la mobilité aux générations futures. Et donc, le dernier volet donc, pour l'angle féminin, c'est les femmes dans le monde du transport et de l'automobile, donc, qui traditionnellement sont des secteurs qui sont très masculins et où les femmes ont été très longtemps éloignées de ces secteurs d'activité. Et ce qui se passe aussi, notamment via le véhicule électrique, c'est que ça amène aussi une vision différente de la mobilité du véhicule. Et donc, vu que les femmes sont souvent plus réceptives à l'innovation sociétale et écologique, c'est aussi un sujet qui permet de les intéresser. Donc finalement, les femmes deviennent aujourd'hui pour la mobilité donc des expertes. Elles sont concernées, elles sont prescriptrices, organisatrices, accompagnatrices et présentes. Et de l'autre côté, elles sont aussi soutenues par des organisations parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elles développent un certain nombre de compétences comme la vision, la stratégie des études, des compétences métiers et managériales. Elles s'impliquent beaucoup et s'engagent pour les projets, elles ont une grande capacité de travail. Elles pratiquent la diversité, elles sont souvent plus sensibles, elles communiquent et elles font des réseaux. Donc, pour symboliser un petit peu le paysage de ces valeurs aujourd'hui, on peut citer donc Humanat Renault, qui est un réseau social qui promeut les femmes et la diversité dans le monde automobile. L'association Les Réelles de l'Auto, donc, qui promeut aussi la diversité chez les constructeurs. L'association Elle Bouge, qui va aller porter les messages de la mobilité dans les écoles d'ingénieurs pour inciter les femmes à se diriger vers ces métiers. On est Easy Mobility et les enjeux livreuses, donc qui là aussi abordent la mobilité sous l'angle des femmes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une approche féminine mais pas féministe, donc les hommes ne sont pas exclus. L'idée c'est de promouvoir les compétences des femmes dans la mobilité justement en complémentarité des hommes, peut-être en expliquant différemment n'importe quelle vision et donc aussi dans d'autres champs d'action. Promouvoir aussi l'engagement et l'implication des femmes pour les questions sociétales en complément d'autres questions. Travailler avec les femmes donc, pour les étudier et donc aussi leur expliquer et partager avec eux les enjeux liés à la mobilité pour les encourager à agir et aussi à les transmettre, leur entourage personnel ou professionnel. Et aussi donner une entrée supplémentaire aux acteurs de la mobilité pour s'adresser aux femmes, puisque les femmes ont évolué dans des cercles, elles sont aussi prescriptrices, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, voilà, c'est un modèle de diversité avec des hommes et des femmes qui s'impliquent pour soutenir une mobilité douce. Alors le socle du réseau des Ladies in Mobility, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un socle franco-monégasque avec des acteurs engagés, je dirais, dans différents domaines et qui s'appliquent à la mobilité. Et donc on se réunit régulièrement pour aborder certains sujets, pour lancer des projets, pour initier des journées comme celle-ci aujourd'hui. Donc c'est un réseau qui a vocation de s'étendre donc en France pour justement donner force à nos messages de la mobilité. On en parlera plus tout à l'heure cet après-midi dans la table des réseaux sociaux, mais vous verrez qu'il faut vraiment donner force au message de la mobilité. Et donc c'est un projet, comme je vous disais, qui a débuté en septembre avec le lancement du projet, une présence à la Semaine européenne de la mobilité avec donc, la présentation d'un jeu pour les enfants biologiques et la mobilité. Donc, c'était une semaine organisée par la direction de l'environnement. Et la participation donc, au Green Code Forum à l'ADEM en septembre dernier. Donc le but voilà, était d'échanger aussi sur les pratiques. Donc le panel d'études que vous voyez ici, donc il a été lancé aussi en septembre, on a à peu près un peu plus de 500 femmes inscrites aujourd'hui. Le but de cette étude, je dirais, c'est de
de sortir des données finalement sur le comportement des femmes face à la mobilité, leur profil sociodémographique, leurs usages, leurs attentes, aussi leur processus décisionnel d'achat, leur rapport aux marques, le rôle des femmes dans la mobilité. Donc aujourd'hui, l'étude n'est pas terminée, mais déjà il y a des tendances qui se dégagent. Donc quand je parle de processus décisionnel d'achat, c'est essentiellement par rapport à tout ce qui est nouvelles solutions de mobilité. Et les femmes, justement, ont déjà construit ce nouveau processus décisionnel. Elles ont compris qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte que quand on achète une voiture traditionnelle. Donc c'est déjà inscrit dans leur mentalité de entre guillemets, déjà éduquer justement à ce changement de mobilité. Et la deuxième tendance qui sort, c'est on a testé la notoriété spontanée, la notoriété assistée aux marques. Donc quand on parle des véhicules thermiques, je dirais que la notoriété est relativement forte, et notamment en assistée. Par contre, quand on arrive sur tout ce qui est mobilité électrique, il y a encore un défaut de notoriété auprès des femmes. C'est-à-dire que les femmes n'identifient pas forcément suffisamment les marques qui entreprennent dans la mobilité électrique. Donc les très grandes marques sont identifiées, mais beaucoup de solutions, et il y a encore un défaut de notoriété là-dessus. Donc c'est un axe qui peut être travaillé encore. Donc nos prochaines étapes là-dessus, la consolidation du panel, le traitement des données, et donc le partage ensuite de l'information pour apporter, je dirais, un regard de la mobilité focalisé sur les femmes. Donc on s'appuie sur des visuels de sensibilisation que vous avez dû voir passer sur Internet. Donc l'idée, c'est toujours mettre les femmes au centre du système mobilité pour les engager finalement à participer, à livrer leurs pratiques. Et donc Panel, qui reçoit le soutien de la Fondation Prince Albert de Monaco, de l'ADEME, de l'AVER et l'Institut de la Mobilité Durable, donc qui nous ont aidés aussi à relayer l'information. Puisque là encore, comme je l'aborderai plus tard dans la journée, il y a besoin de structurer les réseaux pour pouvoir aller transmettre l'information sur la mobilité. Donc le site d'information aussi dédié aux femmes, où on présente des articles, je dirais sous un angle féminin et plus dans des mots des femmes, moins peut-être abordant les caractéristiques techniques, mais l'idée étant aussi de lever les consciences pour favoriser l'engagement. Donc voilà, on partage les préoccupations, les bonnes initiatives, on relaie des informations. Et l'idée, c'est que ce site aussi internet soit une base de Living Lab où on peut collaborer, je dirais, avec ce panel de femmes qu'on est en train de constituer pour aider les acteurs de la mobilité, je dirais, à aussi apporter des solutions qui peuvent répondre aux femmes et, je dirais, plus généralement à leur sensibilité et comment elles peuvent le mettre en place pour fédérer aussi des personnel dans les organisations pour pratiquer la mobilité durable. Et donc aujourd'hui la conférence, donc c'est un espace d'expression, de partage d'initiatives, c'est aussi une conférence de réseau. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont venir de plusieurs régions de France, aussi des étrangers, puisque on est regardé aussi de l'étranger. Il y a quelques années, j'avais participé à un sommet à l'ONU, et c'est vrai que Monaco et la France sont des pays qui sont regardés par l'étranger, on les considère comme exemplaires. Donc le message qu'on tient, c'est aussi un message qu'on transmet à d'autres au-delà de nos frontières. Et je pense que c'est important aussi de se l'approprier dans nos actions quotidiennes. Et puis donc un soutien institutionnel est véritablement marqué, à la fois du côté monégasque et du côté français, ce qui était l'idée donc, de l'ancrage des deux régions, donc plus des échanges territoriaux quotidiens. Donc pareil, une conférence organisée de manière responsable, et vous l'avez vu, je vais passer rapidement, donc des partenaires responsables et engagés, comme le Grimaldi Forum, Ever, MC2D et Greenpeace qui ont participé aussi à la réussite de cette journée. Et puis, on avait véritablement fondé notre modèle autour de, je dirais, l'éco-conception de la communication, en s'appuyant donc sur le guide des événements éco-efficaces qui a été proposé par la Fondation Prince Albert de Monaco, et aussi le guide de l'éco-communication de l'ADEME, donc qui vise à promouvoir, je dirais, des principes de plus dématérialiser l'information, travailler avec des prestataires de l'environnement, etc. Et donc aussi, sur le site, l'idée c'était que, on va parler de mobilité durable, donc l'idée c'est qu'on pratique aussi la mobilité durable pour venir.
Donc c'est aussi ça, c'est que les événements servent aussi de support pour communiquer dans ces domaines. Alors, de nombreuses organisations se sont associées, donc l'IMED, On the Move, Ever Monaco, Think Event qui nous a aidés à l'organisation de cet événement, Green Code, Radio Éthique, les Enjeux Liveuses, donc le gouvernement princier, l'ADEME, la Fondation Prince Albert de Monaco, la Direction du Tourisme et des Congrès, le Grimaldi Forum, l'INRIA, avec les laboratoires ICT, Usage Labs et France Green Lab, la Vert France, l'Institut de la Mobilité Durable, la DAM, le groupe La Poste, MC2D, l'association Green Code Event, donc qui a organisé le Green Code Forum en septembre dernier, Entrepreneurs d'Avenir, Monaco Voiturage et Blablacar, donc qui ont porté aussi le soutien pour ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mobilité pour venir à cette conférence. Avolparis.fr, Tribe Leader, donc ça ce sont des réseaux sociaux et je dirais des projets de marketing collaboratif aussi pour aller pousser ces projets dans l'information. EFICI, qui est un réseau de veille sur la mobilité des énergies. Monaco Cruise Bureau, Ladies in the City, Monte Carlo News, Monte Carlo In, Sustay Network, Maboum, Entrepreneur d'Avenir, Radio Monte Carlo, Podcast Journal, DD Network, Green Plus, AMP Monaco et To the Right Mix, donc la campagne de sensibilisation de l'Union Européenne qui a relayé aussi la conférence. Donc la prochaine étape pour nous, c'est la consolidation de notre panel d'études Monaco-France pour atteindre donc, les objectifs de représentativité. Et c'est aussi donc, un développement en Europe en s'appuyant donc, sur une communauté des 10 qu'on est en train de créer. Donc avec des pays, donc l'Italie puisqu'on est aussi pays frontalier, Monaco et la France, l'Angleterre et la Suisse. Alors donc, je vais aborder maintenant les raisons pour lesquelles il faut se diriger, je dirais, vers la mobilité durable dans les villes et comment agir et avec quels acteurs. Donc il y a un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, on sait ce qu'on peut prédire, ce qui va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des évolutions démographiques croissantes, des besoins d'élargissement des villes, des axes routiers qui sont déjà saturés, des multi-usages de solutions de mobilité, une accidentologie qui est aussi importante, des temps importants qu'on consacre chaque jour au déplacement, des émissions, qualité de l'air et des impacts sur la santé, la détérioration aussi accélérée du bâti. Donc, en conclusion, quelque part, aujourd'hui, on sait que ne pas aller vers la mobilité durable, c'est un coût économique, social, environnemental et sanitaire. Donc, quelque part, aujourd'hui, ce sont les vraies raisons qui peuvent nous pousser aussi à aller vers ces nouvelles formes de mobilité. Puisque finalement, on assiste à quoi ? Des booms dans les villes depuis 50 ans, puisque les villes ont beaucoup travaillé sur des stratégies d'attractivité, que ce soit économique, social, environnemental, la culture et le tourisme. Et donc, il crée aussi des pressions sur les villes et donc des difficultés en termes de mobilité, d'urbanisme, d'infrastructure. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'entreprises donc, qui travaillent dans les villes et qui génèrent des activités, la logistique, beaucoup de transport. Et puis, pour pouvoir se mettre au vert, il faut aller toujours beaucoup plus loin. Donc, voilà, on est dans des prévisions à la hausse avec des échanges qui vont se démultiplier. Donc, je dirais que la situation qui aujourd'hui est déjà difficile va être de plus en plus difficile dans l'avenir. Donc voilà, saturation des réseaux, des hommes et de l'environnement, et vers l'atteinte finalement d'un point critique de pénibilité qui nous engage donc à changer nos comportements. Donc dans les villes aussi, des complexités urbanistiques, puisqu'il faut pouvoir, dans le cadre de la mobilité durable, réaménager des quartiers finalement sans gêner les populations et les activités. Il faut pouvoir aussi prendre en compte, je dirais, les risques territoriaux et climatiques. Donc c'est aussi des contraintes pour les villes, maîtriser et donc rendre les bâtiments efficaces en termes de consommation énergétique. On a aussi un manque d'espace vierge, je dirais, dans les villes pour s'étendre, donc c'est aussi une contrainte à l'urbanisme. Intégrer donc aussi cet équilibre dans les quartiers entre le travail et la vie, je dirais, la famille habite tous les jours. Intégrer aussi ces nouvelles sources énergétiques qui sont liées aux nouvelles solutions de transport, donc comme l'électricité ou le gaz.
des contraintes aussi liées aux bâtiments historiques, donc il y a des quartiers où on ne peut pas forcément mettre en place de nouvelles solutions, donc tout ça ce sont des contraintes. Des contraintes aussi en matière d'infrastructure de transport, où finalement l'objectif c'est de faire cohabiter un certain nombre de déplacements sur un territoire, donc c'est difficile, faut que ça se structure, pour que ce soit le plus fluide possible. Gérer justement ces flux de population selon les moments ou les occasions, puisqu'en plus on est dans une région qui est très attractive, donc beaucoup d'événements qui amènent ponctuellement dans l'année à des situations de congestion. Encore des contraintes aussi de certaines infrastructures de transport pour le déploiement, parce qu'il y a déjà des structures existantes dans la ville qui ne peuvent pas forcément être agrandies. Des complexités aussi en termes de structuration de projet, de délai de conception et aussi de coût de réalisation. Et donc du coup, pour répondre à ces questions, on se trouve donc face à des multi-usages et des multi-solutions avec les transports en commun, donc le tramway, le covoiturage, les trains, l'autopartage, les véhicules électriques, le vélo, les scooters électriques, tout ce qui est les nouvelles organisations de travail aussi qui permettent de réduire les transports, les nouvelles technologies d'information aussi qui peuvent aider à faciliter et à fluidifier les transports, et aussi la marche à pied. Surtout pour les centres-villes, donc c'est quand même quelque chose qui est très adapté, donc, notamment dans un lieu comme Monaco. Donc le but, voilà, ces questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on favorise justement maintenant ce transfert vers les modes de déplacement libre, et quelles solutions on peut mettre en œuvre, et comment, avec qui et dans quel cadre. Donc une idée, c'est peut-être aussi de se diriger vers des éco-quartiers où on remet l'homme au centre du système des villes, avec le piéton et le vélo, je dirais qu'il va être en toute sécurité, qui va être primé dans ces stratégies, avec des points aussi énergétiques, autonomes pour les véhicules propres, des services de connectivité, donc des services innovants, des applications smartphones qui vont permettre aussi une meilleure mobilité, des circuits entre les espaces verts pour valoriser les territoires, participation aussi au dynamisme économique et à la mixité sociale, donc toujours les trois piliers finalement du développement durable autour de la mobilité, et aussi privilégier des circuits courts, la mobilité douce, donc et les transports en commun, et toujours aussi concerter les populations, parce que vouloir mettre en place des solutions de mobilité c'est bien, mais il faut que les gens en jouent le jeu, donc c'est très important aussi ces phases de concertation. Quand on met des plans d'action, c'est mesures de perception, voir les points positifs, voir ce qui n'a pas marché, les désagréments, et essayer donc toujours d'être dans une logique d'amélioration et de continuité.